Hello! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si la vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi! Ciao, ciao! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un triple unboxing de vinyle. Et oui, j'ai quelques petits vinyles qui sont arrivés donc sur ce mois de juillet et je souhaitais vous les présenter, donc vous en parler un petit peu, puis ben voilà, voir un petit peu de beaux objets. Je pense que c'est aussi l'intérêt de ces unboxings. Donc on va commencer par tout simplement le premier. Il s'agit tout simplement du Alien Storm. Donc Alien Storm, j'en ai parlé il y a de cela quelques semaines dans ma vidéo d'achat. C'est un jeu donc type beat'em all sur Mega Drive avec une OST assez marquante et ici on a le droit à on va dire quelque chose d'assez cool, vous allez voir. C'est vrai qu'avec le plastique ça se voit peut-être pas très bien, mais en fait il est en relief. Donc les monstres ici sont sérigraphiés, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas en mode relief, donc assez sympathique. Donc il y a un seul vinyle, donc en ce qui concerne celui-ci, vous allez voir que dans les autres on a toujours deux vinyles à chaque fois. Et donc ici la musique est par Keisuke Tsukuhara, donc assez sympathique avec un côté très 16 bits très marqué. Donc le contenu tout simplement, eh bien on va regarder ensemble. On a déjà une petite lithographie, ma foi, fort sympathique, mais ça c'est la base dans toutes les éditions, on va dire, de datadisc. Voilà. Hop. Et ensuite le vinyle. On va ouvrir. Voilà. Très sympa également. Donc c'est la version limitée pour le coup, avec ses coloris très très spécifiques, du plus bel effet. Encore un peu d'électricité statique, hein. Je ne l'ai pas trop testé encore pour rien vous cacher. Hop, j'ai plutôt écouté le troisième, dont on va parler tout à la fin. Donc voilà, vraiment très très cool. On s'écoute un peu quelques extraits de cet opus. Donc voilà, vraiment très très cool. Et on enchaîne avec le deuxième vinyle, car cette fois-ci, Datadisc, eh bien, nous a sorti carrément deux vinyles d'un coup. Et donc, vous pouvez le reconnaître à la cover. Il s'agit de Alien Soldier, le jeu mythique donc de Treasure, complètement remasterisé, donc avec des nouvelles sources justement qui ont été trouvées pour ce vinyle, qui est vraiment très sympa. Un jeu sorti en 95 sur Mega Drive, qui est une exclue Mega Drive. Donc, musique par None. Bon, là, faut que je chope des protections autres que les protections de base parce qu'elles sont pas ouf. Elles se détériorent assez facilement. Donc ici, on a droit à pas mal de pistes. Donc environ entre 5 et 6 pistes par vinyle. Donc plutôt cool. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'intérieur, évidemment. Donc, on a droit à un premier vinyle. Vous allez voir du plus bel effet également. Hop. Très très sympathique. Donc on est sur du 180 grammes hein, pour ceux qui se posent la question. Donc on est quand même sur du vinyle de qualité. J'aime beaucoup la sérigraphie. Je la trouve très sympa. Donc ça c'est le premier. A et B. Hop. On va faire les bonus à la fin. Je vous montre le deuxième. C'est toujours un peu encombrant. Hein. Hop. Voilà. Pareil. Très sympathique. Très cool, j'aime beaucoup voilà le côté argenté là, qui est très classieux, vraiment très cool.
très très sympa. Et ensuite, on a droit à quelques petits bonus sympas aussi. Hop. À une lithographie tout en longueur, très très cool. Ça fait, je dirais, 70 cm à peu près de haut sur 40, 35, ouais, 35, 40 de largeur. Donc plutôt, plutôt sympa. Et on a aussi droit à quelques petites cartes postales, 3 au total, avec quelques boss et notre héros, Epsilon Eagle. Plutôt très très cool. Et on va tout de suite s'écouter, eh bien, ce vinyle pour se faire une idée. Voilà, vous l'avez vu, le Alien Soldier, le vinyle est vraiment super, franchement, je suis très impressionné. Et on va parler donc du dernier vinyle que j'ai rentré donc là, ce mois-ci. Ben, ça fait un moment que je n'en avais pas rentré, donc on va dire même presque cette année-ci. Parce que j'en ai pas beaucoup acheté cette année, notamment avec le Covid, ben, pas mal de choses ont été décalées. Et donc là, on a droit à un vinyle de Castlevania Symphony of the Night, complètement refait pour l'occasion. Donc j'avais déjà la version PlayStation avec le vinyle, enfin le CD d'audio à l'intérieur, qui était sympa mais qui était un peu rustique, on va dire. Là on a droit à un remaster complet des musiques par Mondo, donc avec sa petite spin card un peu chiante. Donc là pareil, il faut que je trouve un truc pour protéger ce vinyle, parce que vous allez voir que lui, il est en double vinyle, mais hop, outre la cover magnifique, on a droit aussi à des illustrations intérieures superbes, comme vous pouvez le voir, magnifique, avec Maria et Richter, et puis ben notre ami le comte, côté face arrière, on voit d'ailleurs là, hop, ici, le château de Dracula, donc très très sympa. La présentation donc des différentes pistes, il y en a pas mal hein. Pour le coup par exemple le premier, il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 pistes sur la première face side A. Donc il y a vraiment beaucoup de musique par face, donc c'est vraiment très très cool. Pareil, on est sur du 180 grammes, une très très belle édition. Alors pour le coup un peu moins de bonus par rapport à ce qu'on avait côté tout simplement côté hop. On va les sortir pour vous présenter ça. Vous allez voir, la couleur aussi est très sympa des vinyles. Bon, je vais essayer de pas faire de conneries. Là, c'est un peu compliqué, mon organisation. Voilà. Ouh, toujours un peu délicat. Donc, pareil, protection noire, un classique. Si les chats décident de ne pas tout casser. Et donc, on a droit à un rouge sang immaculé, un petit peu transparent. Vous pouvez peut-être le voir là. Très sympathique. Et alors là, pour le coup, vraiment, je trouve que le remaster est incroyable. Donc, c'est bien sûr, on a droit, en fait, à la musique du Konami couché à club, hein, un classique qui est très connu, qui faisait toutes les musiques de Konami à l'époque. Vraiment très, très sympathique. Et donc, le deuxième que je vous présente ici,
qui est un peu similaire, mais dans, hop, voilà, avec le sticker aussi très sympa, je trouve, pour le coup, vraiment très très cool. Donc voilà, avec pas mal de remix, notamment, vous voyez là, on a dans la dernière side des remix donc de Bloody Tears, vraiment très cool, ainsi que Vampire Killer. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais écouter ça, et puis on termine là cette vidéo en musique avec un peu de Castlevania Symphony of the Night. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Et petite exclu pour Kuryu, il est toujours là, il te fait un petit coucou. Ciao ciao.